une recherche basée sur l'état de méditation sur les musiques breakbeat, qui sont les musiques de rave des années 90. Et en fait, à chercher un paradoxe entre un état qui serait plus introspectif, contemplatif, de recherche de calme, et un état de corps très physique et très engagé. Alors le headbanging, c'est quand on secoue la tête comme ça, sur de la musique. Et moi, j'aime beaucoup ce mouvement parce que c'est un mouvement qui est à la fois... qui est vraiment un mouvement connecté au plaisir et à la joie et à la fête, à la musique. Mais en même temps, c'est aussi un mouvement qui est extrêmement violent, qui répété sur une longue durée peut être vraiment douloureux. Et c'est une tension que j'aime bien, en fait, cette idée de douleur, danger, slash plaisir... L'espace de la rêve, c'est vraiment un endroit où les gens viennent chercher du lâcher prise, alors que c'est un espace qui est considéré comme violent, vandale, qui se passe la nuit, c'est secret, c'est illégal. Pour moi, la méditation, comme on peut la trouver sur YouTube, qui est en fait une espèce de forme de méditation super manufacturée, et les gens l'utilisent aussi en fait pour pouvoir lâcher prise et pouvoir continuer à vivre au sein d'un système qui en fait est je considère oppressif.